Bonjour et bienvenue dans le jeu de la sécurité routière On the Road Again, jeu télévisé qui sera diffusé sur Internet. Nous sommes aujourd'hui au lycée Joffre à Montpellier où 6 candidats sélectionnés vont tenter de répondre à des questions de sécurité routière. Pour animer votre jeu, notre expert, Maître Paul, et bonjour. Moi-même, votre animatrice, Linda. Nous sommes tous les deux intervenantes départementaux de sécurité routière et nous allons vous aider à comprendre les bons comportements sur les routes. Nous accueillons les candidats, Linda. Bonjour, vous êtes en forme? Oui. Vous avez révisé? Non. Oui. Non, oui. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mireille Ouibé. Bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Guillaume. Guillaume, et vous? Moi, c'est Chabot Lorena. Mireille, Guillaume et Lorena. Maître Paul, est-ce que vous pourriez nous rappeler les règles du jeu, s'il vous plaît? Oui, ben bonjour à tous et à toutes. On the Road, the Game est un jeu concours coproduit par la sécurité routière, la préfecture de l'Hérault et le réseau Canopé et se déroule dans les établissements du département. Le gagnant de l'émission d'aujourd'hui sera qualifié et représentera son lycée pour la finale le 16 décembre. Il gagnera peut-être son permis en conduite accompagnée. Le jeu se déroule en deux parties, le quiz de rapidité et le duel. Le joueur qui aura marqué le plus de points au bout des 6 questions sera qualifié pour le duel. Et je vais passer tout de suite à la première question. Le dépassement d'un véhicule se fait par la droite ou par la gauche? Par la droite. Maître Paul? Et non, c'est pas une bonne réponse. Le dépassement se fait généralement, on va dire, par la gauche. En effet, si on double par la droite, on est moins visible. Et bon, le dépassement par la droite est toutefois autorisé dans certains cas bien particuliers, lorsque le véhicule de devant tourne à gauche et nous laisse suffisamment de place pour passer par la droite, ou lorsque les files de voitures se sont formées de façon discontinue en ville notamment, si la file de droite avance plus vite que la file de gauche, effectivement, on avance plus vite que le véhicule qui est à gauche. Mais généralement, on dépasse par la gauche, bien sûr, pour être visible. Je passe à la question 2. Manger un baba au rhum a une incidence sur le taux d'alcoolémie. Vrai ou faux? Vrai. Effectivement, c'est une bonne réponse. Ça a une influence sur le taux d'alcoolémie. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, pour les jeunes conducteurs, on a fixé le taux d'alcoolémie à 0,2 seulement, grammes par litre de sang. Et d'autant plus que la digestion produit de l'alcool naturellement dans le corps. Donc c'est pour ça que le taux d'alcoolémie est fixé à 0,2. Donc effectivement, c'était une bonne réponse, Guillaume. Bien. Donc on passe à la question 3. En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants comme le cannabis, combien de points perd-on sur son permis de conduire? 6. C'est encore une bonne réponse. La première année, lorsque vous aurez votre permis de conduire, vous n'aurez que 6 points sur le permis de conduire. C'est-à-dire que si vous êtes en état d'alcoolémie, à 0,2 g par litre de sang, eh bien, vous n'aurez plus de permis de conduire. Le risque d'accident à 0,5 g par litre de sang est multiplié par 2. Si en plus c'est associé au cannabis, on multiplie le risque par 14. Question numéro 4. La chaussée est plus glissante quand la pluie commence à tomber ou quand elle tombe depuis longtemps? Quand elle tombe depuis longtemps? Et non, ça n'est pas une bonne réponse, malheureusement. Parce que lorsque la pluie commence à tomber, elle se mélange avec les huiles, les résidus d'huile sur la route, et ça fait comme un espèce de verglas, ce qu'on appelle le verglas d'été, hein, on l'appelle comme ça aussi, et donc rend la chaussée encore plus glissante que lorsqu'elle est lavée depuis un moment abondamment par une pluie qui est là depuis longtemps. Alors on passe à la question 5. Les limitations de vitesse prennent effet au niveau du panneau ou 150 mètres après le panneau? Au niveau du panneau. C'est une bonne réponse, Guillaume. Sauf si un panonceau placé sous le panneau de signalisation indique que la limitation de vitesse ne commence que 150 mètres après le panneau, par exemple. Mais en l'absence de ce panonceau, effectivement, ça commence à partir du panneau. Donc c'était une bonne réponse. Guillaume a 3 points.
Mireille a toujours 0 et Lorena a 0. Alors donc je pose la question numéro 6. Quand on bâille au volant, c'est le signe qu'on a faim ou bien qu'on est fatigué? Qu'on est fatigué. Bonne réponse, Mireille. Effectivement, dès qu'on bâille, bon, c'est qu'on est fatigué, il faut s'arrêter sur une aire prévue pour cet effet et se reposer au moins un bon quart d'heure. Donc c'est bien Guillaume qui est qualifié pour le duel. De tout à l'heure, on retrouvera Guillaume tout à l'heure pour le duel. On va faire rentrer les 3 prochains candidats. Bonjour, vous êtes en forme? Oui. Ouais. Bon, est-ce que vous avez révisé un petit peu? Non. Un petit peu. Un petit peu, non. Quel est votre prénom? Thibaut. Et vous? Valentine. Et vous? Oui. Très bien, bienvenue. On passe à la première question directement. Un passage à niveau, lorsque la sonnerie retentit, les barrières se baissent et le train arrive 10 secondes après ou 30 secondes après? Le train arrive 10 secondes après. C'est une bonne réponse de Thibaut. Effectivement, l'arrêt est donc obligatoire. Il ne faut pas essayer de franchir les barrières à ce moment-là, parce que ça va très vite. 10 secondes, vous vous rendez compte, c'est très peu de temps. Et donc, il faut savoir que dès la première sonnerie, il faut s'arrêter et ne pas franchir les barrières. Bonne réponse. Thibaut marque un point. Bien. On passe à la question 2. La route est un espace de partage ou un espace de compétition? Valentine. De partage. C'est une bonne réponse, effectivement. On doit partager la route entre tous les usagers et notamment les plus vulnérables que sont les piétons et les cyclistes. Très bien. Donc on peut passer à la question 3. Un café fort permet d'éliminer plus rapidement les effets de l'alcool, vrai ou faux? Faux. Effectivement, c'est une bonne réponse, Valentine. En fait, seul le temps qui passe va permettre d'éliminer l'alcool. C'est le foie qui va produire son effet, hein, qui va travailler et qui va éliminer le verre d'alcool qu'on a bu juste avant. Donc il faut environ 2 heures pour éliminer un verre d'alcool. Question 4. Est-il dangereux pour le passager avant de mettre les pieds sur le tableau de bord? Oui, parce que les airbags, après, ça peut casser les jambes. Allez-y, précisez la réponse. Oui, c'est dangereux parce que si les airbags se déclenchent, ça peut casser les jambes. C'est une très bonne réponse. Bientôt, vous pourrez venir à ma place. Effectivement, ça empêcherait le fonctionnement correct de l'airbag, notamment. Hein. Voilà. Très bien, très, très bonne réponse de Valentine qui se détache un petit peu et qui est à 3 points. Question numéro 5. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'un véhicule de secours est en intervention? Une sirène ou des panneaux de travaux clignotants. Pas de travaux, enfin une sirène. Alors, la sirène seulement? Et un signal lumineux. Oui, c'est bien, allez, c'est bon. C'est une bonne réponse. Ce sont des feux à éclats, hein, notamment bleus, hein, qui préviennent de l'approche donc des véhicules de secours. Il faut absolument les laisser passer. Bon, Valentine se détache nettement, elle est à 4 points. Un point pour Thibaut et 0 pour Louis. Bravo Valentine. Attention, question 6. Fumer du cannabis augmente le temps de réaction. Vrai ou faux? Vrai. C'est Thibaut qui a répondu le premier, qui a répondu vrai. C'est effectivement vrai, ça augmente le temps de réaction. D'où l'augmentation du risque d'accident, évidemment. Valentine l'a emporté avec 4 points. Absolument. Devant Thibaut, 2 points. Bravo. Et Louis qui n'a pas marqué, donc 0. Voilà, donc Valentine est qualifiée donc, pour le duel, pour la deuxième partie de l'émission. Avant de passer à cette deuxième partie, le duel, nous allons regarder une courte vidéo, car en sécurité routière, nous sommes tous responsables.
le 9 janvier, dans la banlieue lyonnaise. Thomas, 24 ans, est employé commercial. Aujourd'hui, il a pris sa journée. Il se rend au centre commercial pour acheter des jeux vidéo et prendre un sandwich. De retour chez lui, il appelle son ami Max pour qu'il vienne tester ses nouveaux jeux avec lui. Il passe l'après-midi à jouer. Il fume quelques joints et boive quelques verres. À 18h, Thomas raccompagne Max chez lui. Ils prennent la voiture. Sur le trajet, ils discutent et ont l'esprit ailleurs. À un croisement, une voiture arrive de la droite, elle a la priorité. Thomas n'a pas tous ses réflexes, il la voit trop tard et la percute de plein fouet. La passagère arrière meurt avant l'arrivée des secours. Thomas est lourdement condamné, il portera la responsabilité de cet accident toute sa vie. Un accident n'arrive jamais par accident. Le cannabis diminue les réflexes au volant. Associé à l'alcool, il multiplie par 15 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Passons au duel. Nous accueillons nos deux candidats sélectionnés. Gagnant du premier groupe, Guillaume, et gagnante du second groupe, Valentine. Maître Paul, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles du duel, s'il vous plaît ? Alors, pour cette deuxième partie, le duel, chaque candidat devra répondre, chacun son tour, à des questions de difficulté croissante. Verte, 1 point. Orange, 2 points. Rouge, 3 points. Plus c'est difficile, plus on marque de points. Les réponses proposées sont à choix multiples, comme lors de l'examen du code. Parmi les 4 réponses proposées, une seule est la bonne. Donc, question verte à 1 point. Qui doit faire le SAM, le capitaine de soirée ? Réponse A, celui qui a le moins bu. Réponse B, le propriétaire de la voiture. Réponse C, celui qui n'a pas bu. Ou réponse D, celui qui connaît le chemin. Réponse C. C'est une bonne réponse, Linda. Guillaume va marquer 1 point. En fait, exactement, c'est celui qui n'a pas bu, qui a l'honneur de reconduire tout le monde en bonne santé chez soi. Et on l'appelle Sam, sans accident mortel, hein, pour se souvenir de ce que ça veut dire. Voilà, c'est bien, Guillaume. 1 point. Valentine, question verte, 1 point. Vous êtes en panne sur l'autoroute. Vous attendez le dépanneur. Réponse A, dans la voiture. Réponse B, à côté de la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse C, derrière la glissière de sécurité. Ou réponse D, devant la borne d'appel d'urgence. Réponse C. Maître Paul. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, Valentine. Effectivement, il faut se mettre à l'abri derrière la glissière de sécurité, sortir côté sécurisé, c'est-à-dire ce côté droit du véhicule, mettre son gilet jaune avant de sortir. Et parce qu'il faut savoir que l'espérance de vie sur la bande d'arrêt d'urgence n'est que de 20 minutes. Donc il faut se mettre en sécurité le plus vite possible. Guillaume, deuxième question verte. Que signifie le sigle ABS ? Réponse A, anti-boue système. Réponse B, anti-blocage système. Réponse C, anti-buée système. Ou réponse D, anti-bruit système. Réponse B. C'est une bonne réponse, encore une fois. Effectivement, ce système limite le blocage des roues pour améliorer le freinage et surtout la tenue de route pendant le freinage. Quand on freine brutalement, les roues se bloquent et diminuent considérablement la trajectoire du véhicule dans n'importe quel sens, alors que l'ABS permet de maintenir le véhicule droit, notamment. Alors, donc là, on est à 2 points pour Guillaume et 1 point pour Valentine qui va répondre, j'en suis sûr, à la deuxième question verte. Valentine, de quelle couleur sont les panneaux qui indiquent la direction de l'autoroute ? A, blanc. B, bleu. C, jaune. Ou D, vert. B, bleu. Tout à fait, c'est bien ça. C'est une bonne réponse, hein, ils sont bleus. Attention, dans les pays limitrophes, hein, notamment l'Italie ou la Suisse, par exemple, ils sont verts. Hein. Alors, en France, c'est bleu. Donc on passe aux questions oranges. Donc là, on est à égalité parfaite pour l'instant, Lina. Guillaume a 2 points et Valentine a 2 points. C'est bien. Un verre d'alcool servi dans un bar contient, réponse A, 2 grammes d'alcool pur.
Réponse B, 5 grammes d'alcool pur. Réponse C, 10 grammes d'alcool pur. Ou réponse D, 12 grammes d'alcool pur. Réponse A. Non, là, ce n'est pas une bonne réponse. Chaque verre d'alcool servi dans un bar contient 10 grammes d'alcool pur. Quel que soit le type de verre, d'ailleurs, hein, que ce soit du whisky, d'un apéritif anisé ou autre, ça contient 10 grammes d'alcool pur. Hein, et on va mettre au moins 2 heures pour l'éliminer, donc, après. Hein. Ben donc, Guillaume ne marque pas de points dans ce cas-là. Et on est à égalité toujours parfaite, 2-2, avant la première question orange pour Valentine. Sur route mouillée, le temps de réaction est multiplié par réponse A, 2, réponse B, 3, réponse C, 4, réponse D, il ne change pas. Réponse A. Et non, ce n'est pas une bonne réponse, Valentine, puisque la distance de freinage, elle est multipliée par 2 sur route mouillée. Par contre, le temps de réaction ne dépend que de la concentration que l'on a sur la conduite et ne dépend pas donc si la route est mouillée ou si les pneus sont neufs ou pas. Hein. Le temps de réaction, c'est notre concentration par rapport à la conduite. Donc effectivement, ça ne change pas. Donc on passe à la question rouge, Guillaume. C'est une question à 3 points. Pour calculer approximativement la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction, il faut multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par combien ? Réponse A par 2, réponse B par 3, réponse C par 4 ou réponse D par 5 ? Réponse B. C'est une très bonne réponse. Effectivement, si on prend l'exemple de 50 km/h, si on multiplie le chiffre des dizaines, c'est-à-dire 5, par 3, on obtient 15 mètres. C'est à peu près la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction, c'est-à-dire 1 seconde. Et le temps de réaction peut être allongé en raison des effets de l'alcool ou du cannabis, comme on a vu tout à l'heure. On y va ? Vous êtes prête ? Ouais. À moto ou en scooter, un impact à 50 km/h équivaut à une chute de combien d'étages ? Réponse A, 1 étage. Réponse B, 2 étages. Réponse C, 4 étages. Ou réponse D, 8 étages. Deux étages. Enfin, réponse B. Malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. C'était 4 étages, soit une chute de 10 mètres à 50 km/h seulement. Donc, c'est relativement important. Dommage, Valentine. Mais, et donc, c'est Guillaume qui représentera le lycée Joffre. Le lycée Joffre. Il nous reste à remercier le public, nombreux, de remercier également l'équipe du lycée qui nous a accueillis aujourd'hui et remercier aussi nos partenaires qui ont soutenu cette opération, Keolis, GMF, BFM et le MHR. Rendez-vous pour notre prochaine émission, mais surtout, ne manquez pas la finale. À bientôt.